D'abord, c'est un club qui est très important dans le championnat français, qui a été champion il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis, pour avoir discuté avec le directeur sportif et le président notamment, j'ai senti une réelle envie de me faire signer. J'ai senti que c'était le bon projet pour moi au bon moment. J'ai envie de remarquer des buts, de redevenir important pour un collectif, et j'ai senti que c'était le bon endroit pour bien relancer ma carrière. Très heureux et fier de rejoindre ce club. Je suis aujourd'hui avec plein d'envie, plein de motivation. J'ai envie d'être sur le terrain, de m'entraîner au quotidien, de retrouver les terrains, la Ligue 1, de ressentir la pelouse, de remarquer des buts. Surtout de reprendre du plaisir avec mes futurs coéquipiers, de faire des victoires, d'enchaîner des victoires, de retrouver le public aussi, parce que ça fait longtemps que, bon, eux l'ont déjà retrouvé depuis le début de saison, moi pas encore. Mais c'est vrai qu'on joue au foot pour avoir de réelles émotions, et j'espère en vivre de très belles avec Montpellier. C'est de rejouer régulièrement, personnellement de refaire des saisons pleines comme je le faisais avant, de remarquer des buts, de redevenir important pour le collectif, pour aider l'équipe, les partenaires à atteindre les objectifs collectifs. Et puis collectivement, ce que je vous disais, c'est de prendre du plaisir tous ensemble, essayer de procurer aussi du plaisir aux supporters. Qui seront derrière nous tout au long de la saison, donc essayer qu'ils viennent avec plaisir et envie au stade pour nous supporter, et que nous, bien sûr, on aille le plus haut possible au championnat. Oui, bien sûr, sachez que je serai au quotidien à 100% pour ces nouvelles couleurs. Je vais vivre Montpellier, manger Montpellier, et essayer de faire le maximum pour ce club, essayer d'être le plus performant possible. Je ne doute pas qu'avec la qualité qu'il y a dans le groupe, ça va faciliter mon intégration. Donc voilà, j'ai très envie, je suis très motivé, et on va faire de grandes choses ensemble.